Monsieur Ahmad Green, bonjour. Bonjour, ça va bien. Alors, un projet de loi régissant le partenariat public-privé PPP devrait être présenté au gouvernement comme un outil alternatif au budget de l'État dans le financement des équipements publics. On en parle depuis des années, depuis pratiquement 2014. Mais jusque-là, on ne voit rien venir. Pourquoi, Monsieur Green? Effectivement, donc, le projet de loi a été annoncé dans le cadre du plan d'action du gouvernement en 2014. Et il était annoncé dans ce plan d'action où il était stipulé carrément que le recours au secteur privé sera encouragé pour la fourniture de services publics et la réalisation d'infrastructures à travers le partenariat en recourant à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire approprié. Mais qu'est-ce qu'il prévoit ce cadre réglementaire approprié? Comment peut-on définir aujourd'hui le PPP, le partenariat public-privé? Bon, il y a une définition qui est donnée par la Banque mondiale. Les partenariats publics-privés sont des arrangements contractuels à long terme, en vertu desquels la partie publique ou la personne publique transfère au secteur privé toute ou partie des responsabilités de la conception, du financement, de la réalisation, de l'exploitation d'une infrastructure économique ou sociale. Donc, les partenariats publics-privés concernent essentiellement les infrastructures fournissant un service public aux citoyens. C'est quoi en fait un service public? Le service public relève de la responsabilité de l'État. Donc c'est l'État qui doit le fournir, veiller à son fonctionnement, donc de manière continue, donc la continuité du service public, son libre accès à tous les usagers, sans discrimination aucune, et c'est l'État qui doit en déterminer le tarif. Donc, s'agissant par exemple des infrastructures de transport, le service de l'eau, l'énergie, etc., c'est l'État qui détermine le tarif de ces services publics. En Algérie, tous ces services publics sont fournis essentiellement par l'État et les frais d'investissement sont supportés par le budget de l'État. Donc, ça fait des années quand même que le pays est engagé dans un vaste programme d'investissement public pour doter le pays d'infrastructures de qualité. Donc le niveau d'investissement a atteint en 2015 19% du PIB. En 2008, il était en 2000 plutôt, il était de 8%. Il a grimpé à 19% en 2015. Et avec un taux moyen de 12% en 2012, l'Algérie se place parmi les pays, disons, à revenu moyen élevé par tête d'habitant, qui investit le plus dans les équipements. Donc en 2012, une comparaison a été faite. L'Algérie investit deux fois plus que la Russie et quatre fois plus que l'Iran. Ça, c'est pour vous dire un peu l'effort qui a été consenti par les pouvoirs publics en matière d'infrastructures et de fourniture de services publics. Mais par rapport à ces secteurs publics qui pourraient faire l'objet de partenariats publics-privés, est-ce qu'on peut les déterminer? Est-ce qu'on peut les connaître? Tous les secteurs, santé, éducation, transport, électricité, c'est-à-dire énergie, tous ces secteurs qui sont concernés? Oui, tout à fait. Tous les secteurs peuvent être éligibles aux partenariats publics-privés. Seulement, les pouvoirs publics doivent choisir les bons projets qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est pour ça que le ministère des Finances est directement impliqué dans la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Et c'est la raison pour laquelle le ministère des Finances est en train de développer depuis des années, par le biais de la CNED justement, un pôle d'expertise en matière de partenariat public-privé pour aider les secteurs qui veulent se lancer dans ce genre de montage à bien structurer leur PPP. D'abord, à bien choisir les projets, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'évaluation préalable qui est effectuée par l'unité qui doit être rattachée, l'unité PPP qui doit être rattachée au ministère des Finances. Pour le moment, il est proposé au niveau du texte de projet de loi que la CNED, c'est la CNED qui doit jouer ce rôle. Donc la CNED, quand les secteurs soumettent leurs projets au financement, au financement public, sur la base d'une évaluation préalable qui est effectuée par la CNED ou une autre entité, le ministre des Finances décide sur la base de ça, de dire qu'il serait plus avantageux pour l'État que ce projet soit réalisé en mode PPP ou sur le budget de l'État.
Oui, mais justement, le ministère des Finances est directement impliqué dans ce projet. Il y a un pôle d'expertise qui est au niveau de la CNED, mais la loi régissant le PPP, le partenariat public-privé, on en parle depuis quelques années déjà, elle a été revendiquée récemment par le secrétaire général de l'EGTA lors de la rencontre de l'université d'été du FCE pour encadrer le partenariat public-privé, mais on ne la voit toujours pas arriver. Si, le Est-ce qu'il ne projet. devrait pas accélérer un peu le rythme de réalisation de cette loi, puisque ça pourrait être une source de financement supplémentaire pour les pouvoirs publics en situation de crise? Le projet de loi a été initié par le ministère de l'Industrie. Donc, il suit son cheminement. Il y a une première consultation qui a été réalisée auprès des différents secteurs, donc des départements ministériels. Donc, c'est le processus traditionnel. Donc, les secteurs ont eu à examiner ce projet de loi et ont formulé des propositions, émis des observations. Donc on attend un petit peu la suite du processus. On attend un peu trop longtemps. Là-bas, l'opportunité relève des pouvoirs publics, du gouvernement en l'occurrence. Donc nous, on formule des propositions. Donc comme j'ai dit, eu égard à l'effort consenti par l'État. Et là, même, pour 2018, vous voyez que malgré une situation financière difficile, malgré une sévère chute du prix des hydrocarbures, les pouvoirs publics sont déterminés à aller pour consentir un effort encore supplémentaire en matière d'investissement public pour justement consolider la base infrastructurelle du pays, parachever les projets qui sont donc en cours et lancer de nouveaux projets dans le secteur prioritaire qui sont l'eau, la santé, l'éducation, etc. Et donc le projet de loi de finances qui est actuellement en cours de discussion se caractérise par une hausse importante du budget d'équipement par rapport à l'année dernière, justement. Il y a toujours cette volonté de vouloir justement équiper le pays, rendre donc les infrastructures à niveau, disons, standard international. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'État pourra seul financer tous ces Voilà, projets? justement, nous disons que cet effort ne peut pas être poursuivi indéfiniment par l'État. Donc, beaucoup de pays qui ont connu des contraintes budgétaires ont eu recours à ce mode Même de sans contraintes financement. budgétaires? Absolument, absolument. Donc, les experts avec qui nous travaillons de temps en temps, que ce soit ceux de la Banque africaine ou de la Banque mondiale, ils nous disent que il ne faut pas aller au PPP parce que vous avez des contraintes financières, surtout pas. Parce que, en fait, le PPP, il revient plus cher que le mode classique. Mais ce que nous gagnons en termes de coût global, en termes d'efficacité, en termes d'optimisation des coûts, en termes de qualité, fait que le PPP devienne plus intéressant. Parce que dans un processus traditionnel classique, un projet classique, tous les risques inhérents, par exemple, au dépassement de coûts, aux allongements de délais, à la mauvaise préparation des projets sont supportés par la personne publique. Tandis que dans le cadre d'un PPP, vous transférez ces risques à la partie privée. Et vous ne commencez à décaisser, à payer, qu'après mise à disposition effective de l'infrastructure. C'est-à-dire que dans un processus classique, dès que vous passez commande pour les études ou pour le marché, vous commencez à payer. Par contre, dans le cadre d'un contrat PPP, le paiement n'intervient qu'à la fin des travaux, qui est la mise à disposition effective de l'infrastructure que vous avez, dont vous avez confié la réalisation au partenaire privé. Mais aujourd'hui, il y a des similitudes et des confusions dans l'esprit des gens. On ne fait pas la différence entre le partenariat public-privé avec la privatisation. Certains, beaucoup, l'assimilent à une sorte de privatisation. Non, aucunement, aucunement. C'est une mise en concession, quelque part. Bon, la concession est une forme de forme de PPP. PPP. Vous avez donc un large éventail de partenariat public. Ça commence par justement l'assistance technique, parce que toute relation entre une entité privée et une personne publique, c'est une forme de partenariat. Donc la différence, c'est que plus vous étalez la durée du contrat et plus vous transférez de risques à la partie privée. La concession étant la forme la plus élaborée. Vous avez donc le marché classique de fourniture, de services, etc., qui est une forme aussi de partenariat On le voit privé. par Oui. exemple au niveau de la gestion de l'eau, au niveau d'Alger, Blida et Tipaza. Nous le tout à voyons fait. Aussi au niveau par exemple de la gestion du port d'Alger. Absolument. En fait, les partenariats publics et privés ne sont pas méconnus en Algérie. Donc on a eu à mener une expérience que nous pouvons qualifier
d'une expérience réussie donc, dans le domaine. Depuis, voilà. On n'a plus rien fait. Non, parce que les besoins n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'on avait relativement une aisance financière qui a fait qu'on a privilégié le mode traditionnel. Donc, et puis, ça a été aussi défini dans le cadre de la démarche de mise en œuvre du schéma national d'aménagement de territoire qui a été approuvé par la loi numéro 0210 du 29 janvier. Laquelle démarche définit deux étapes pour la mise en place donc, des infrastructures et des services publics. D'abord, vous avez l'étape volontariste, où l'État va de manière volontariste en mettant en place les conditions d'attractivité des territoires. Et puis, au-delà, il y a ce qu'on appelle la phase partenariale. Dès qu'on aura mis en place les conditions d'attractivité du territoire, là, les investisseurs peuvent intervenir pour réaliser des infrastructures complémentaires. Mais les services publics relèvent de la responsabilité de l'État. L'État, c'est lui qui doit déterminer aujourd'hui les tarifs. Est-ce qu'on peut parler d'attractivité à partir du moment où le privé pourrait dire que ce n'est pas suffisamment rentable? Si, au contraire, dans les pays qui se sont engagés dans les partenariats publics-privés, il y a une garantie donc, dans l'investissement dans les services publics. Mais quel modèle on devrait suivre aujourd'hui, selon vous? Quel pays ou quelle institution? Bon, nous avons scruté pas mal d'expériences. Nous avons travaillé avec les Coréens, une étude sur les voies et moyens de promouvoir le partenariat public en Algérie. Nous avons regardé un petit peu l'expérience coréenne qui est intéressante. Donc l'expérience britannique et le modèle français. Alors, en mon sens, il n'y a pas de modèle, disons, un standard. Voilà. Chaque pays adapte la chose à ses besoins spécifiques et en fonction donc de spécificités institutionnelles, juridiques, etc. C'est des contrats. Donc, il faudrait avoir déjà un cadre juridique. Mais est-ce que vous avez déterminé aujourd'hui les secteurs qui pourraient faire l'objet de PPP, partenariat public-privé? Bon, tous les secteurs sont éligibles aux partenariats publics. Tous sans exception. Tous sans exception. Mais vous avez certains responsables qui vous disent, par exemple, le chemin de fer relève, par exemple, de la souveraineté de l'État. Non, maintenant, le problème se pose en termes d'attractivité. Parce que pour que vous trouviez un investisseur qui va investir dans le chemin de fer, c'est pas évident. Parce que c'est des investissements lourds, donc c'est pas évident. Donc l'infrastructure, etc., relève de l'État. Bon, certains pays l'ont fait. Hein. Donc, mais pour ce qui concerne l'Algérie, donc, on peut commencer par des projets simples à mettre en œuvre. Dans le domaine de l'eau, par exemple. Nous avons aujourd'hui pratiquement plus de 15 stations d'épuration dont les études sont finalisées et qui ne sont pas lancées, faute de financement ou parce qu'ils ont fait l'objet d'un gel. Par exemple, les stations d'épuration, c'est des projets très faciles à mettre en œuvre en mode PPP. Donc, vous lancez un appel d'offres, il y a un investisseur qui réalise et vous payez en fonction donc, du volume épuré. Donc, Alors, Monsieur Green, Amar Green, moi, je voudrais revenir un peu sur cette notion de PPP, le partenariat public-privé dont on parle depuis le début de cette émission. Dans le contexte actuel, est-ce que le PPP est une alternative pour relancer les projets à forte rentabilité économique qui sont gelés ou bloqués faute d'investissement? Oui, tout à fait, ça peut constituer pas une alternative, parce que dans le projet de loi... Entre autres alternatives. Oui, exact. Dans l'avant-projet de loi, il est dit que le gouvernement continuera donc, à pourvoir donc, au financement donc, des infrastructures et des services publics. Mais ça pourrait être un appoint, dans la mesure où le partenariat public-privé permet de détendre un petit peu la contrainte budgétaire par l'injection de capitaux privés dans le financement des projets. Il permet aussi l'amélioration de la qualité du service public. Il permet aussi la valorisation du potentiel commercial de l'infrastructure dont les bénéfices seront partagés avec l'État. Et puis aussi une dépense publique étalée dans le temps. Parce que, en fait, vous payez l'infrastructure que vous voulez réaliser sur toute la durée du contrat. Et à la fin du contrat, cette infrastructure, bien sûr, revient à l'État. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de privatisation de services publics ou au
ou quoi que ce soit. Parce que c'est l'État qui garde également le contrôle. Alors, quels sont aujourd'hui les préalables et les avantages du partenariat public-privé tel que configuré aujourd'hui dans l'avant-projet de loi qu'on ne voit toujours pas arriver? Absolument. Les avantages, j'en viens de citer quelques-uns. Les atouts, l'Algérie a quand même pas mal d'atouts donc, pour se lancer dans ce genre de partenariat. Nous avons un important programme d'investissement donc, pour doter le pays d'infrastructures donc, de qualité. L'Algérie quand même présente une stabilité macroéconomique est là, donc nous avons un secteur bancaire solide qui y a déjà eu à financer les projets donc, de PPP, les projets qui ont été initiés dans le cadre de dessalement d'eau de mer ou la production ou les centrales de production d'énergie électrique. Vous avez aussi également une bonne qualité de la signature du secteur public. Le secteur public algérien n'a jamais été pris en défaut. Et l'Algérie est membre, l'Algérie a ratifié toutes les conventions relatives à l'arbitrage international, etc., ce qui peut donner un peu de l'assurance aux investisseurs étrangers. Est-ce qu'il pourrait relancer aussi l'industrie parallèlement et par la résorption, par exemple, du chômage, la création de plus grand nombre d'emplois actuellement? Oui, tout à fait, parce que actuellement, la croissance du pays est tirée essentiellement par la dépense publique. Et donc, le partenariat public-privé, et aussi une forme de commande publique. C'est toujours les pouvoirs publics qui en sont les initiateurs. Donc le contrôle est toujours, c'est l'État, c'est lui qui définit, qui oriente. Mais justement, par rapport au retard dans la mise en place de cette loi régissant le partenariat public-privé, puisqu'en septembre 2016, déjà, l'ancien ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchouev, avait parlé de la nécessité de mettre en place ce cadre juridique, que l'avant-projet de loi était déjà en préparation. À ce jour, cette loi n'a pas été encore ni promulguée ni annoncée. Le secrétaire général de l'UGTA avait indiqué, lors de l'université d'été du FCU, il faut s'atteler tout de suite à mettre en place une législation régissant le contrat public-privé national. Il faut que ce soit une loi immédiatement applicable et non pas une série de 20 ou 30 décrets. C'est important. Oui, parce que actuellement, qu'on peut promulguer par décret, mais ça ne sera pas aussi efficace. Il y a des décrets qui existent au niveau, qui régissent un peu le financement par le privé de certaines infrastructures au niveau sectoriel. Vous avez la loi sur l'eau qui permet donc au privé de financer donc les infrastructures de l'eau. Par exemple, dans le secteur des travaux publics, la concession, il y a des textes. Mais ce que nous voulons, ce que les pouvoirs publics veulent, un cadre unifié qui régit donc tout ce qui est partenariat public-privé. L'autoroute Est-Ouest pourrait faire aussi l'objet de partenariat public-privé? Absolument, tout. Bon, l'autoroute Est-Ouest actuellement, le financement a été consenti par le budget d'État. Mais pour l'entretien, le péage. Absolument, oui. Comme cela se fait dans les pays. Oui, tout à fait, oui. Et cette forme justement de gestion déléguée, elle existe déjà. Ça concerne un peu les ports d'Alger avec Dubai Port, le port de Béjaïa avec Portec, le port de Djenel. Oui, donc absolument. L'aéroport d'Alger, le métro aussi, c'est une forme aussi de délégation, de gestion. Donc il y a un contrat de gestion qui lie l'entreprise du métro à... Alors, Monsieur Green, moi je voudrais revenir aussi avec vous sur certaines missions de la CNED. Entre autres, la CNED, elle a pour objet, c'est la maturation des projets pour éviter des surcoûts. Est-ce que c'est tout automatique, puisque nous avons vu aujourd'hui que par rapport au retard de réalisation de certains projets, il y a eu surcoût et certains considèrent que les études n'ont pas été suffisamment maturées. D'où la directive récente du Premier ministre d'insister encore une fois sur la maturation des projets. Oui, tout à fait, Monsieur le Premier une ministre. Une étude fiable. Mais on le répète, mais on tombe toujours dans les mêmes erreurs. Vous avez le texte qui régisse un peu la dépense publique, notamment le décret 98-227 du 13 juillet 98 relatif à la dépense d'équipement de l'État. Donc il met l'accent sur la nécessité d'une bonne maturation des études avant l'octroi des financements. Mais on voit aujourd'hui, après un constat, que certains projets n'ont pas fait l'objet d'études suffisamment maturées, d'où les surcoûts et retards de réalisation. Nous sommes concernés. Et des malfaçons aussi. Nous nous sommes concernés par les grands projets d'équipement public. On demande votre avis automatiquement. Absolument. Donc, dès lors que le projet est identifié comme étant un grand projet, le passage par la CNED devient une nécessité, une obligation. Les grands projets, on peut avoir des exemples C'est tous les projets qui ont été définis dans le cadre de la circulaire
qui a été adressée par monsieur le chef du gouvernement à l'époque, à la veille du lancement du plan quinquennal 2005-2009, c'est les projets dont l'autorisation de programme dépasse 20 milliards de dinars. Nous sommes en train de travailler sur cette base-là. En fait, la définition des grands projets renvoie à un certain nombre de critères. Donc c'est une combinaison d'un certain nombre de critères, parmi lesquels le critère de coût. Mais vous avez également un projet peut-être petit par la taille, donc et par le coût, mais dont les charges récurrentes grèvent un peu le budget de l'État, donc pour son fonctionnement, etc. Ça aussi, ça peut donc faire l'objet d'une attention particulière. Vous avez des projets petits par la taille et par le montant, mais dont les effets sur l'environnement sont tels que il faudrait donc, le considérer comme grand projet et le traiter comme tel. Donc tous les grands projets passent obligatoirement par la CNED. La CNED, dans son rôle, quand la direction générale du budget lui soumet donc, les dossiers des études qui sont préparées par les secteurs, elle effectue deux choses. La première, d'abord, une vérification de conformité pour s'assurer que l'étude est menée conformément aux procédures mises en place. Vous savez que depuis 2010, nous avons lancé le guide de management des grands projets qui comprend trois guides en fait, le guide de maturation, le guide de suivi de la réalisation et le guide de l'évaluation ex post. Et ce guide de maturation donc, comprend un certain nombre de dispositions relatives à la préparation des études de maturation des grands projets. La première mission que nous effectuons, une mission de conformité pour voir que les études qui sont soumises à l'avis de la CNED sont conformes donc aux prescriptions du guide. Ensuite, on vérifie un peu les hypothèses donc qui ont présidé à l'élaboration des études donc financières, des études économiques, et l'étude d'impact sur l'environnement, etc. Mais est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'il est arrivé que vous rejetiez certains projets parce que vous avez considéré que l'étude n'avait pas été suffisamment maturée? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, y a c'est systématique en recours à vous. Oui, absolument. Dès que ça dépasse les 20 milliards de dinars. Absolument. Donc, il y a un peu une. C'est itératif entre le secteur concerné et la CNED. Donc, quand on nous soumet une étude, dès qu'on relève des insuffisances, on les signale, on revient vers le secteur qui effectue donc les correctifs nécessaires et les financements ne sont octroyés qu'après validation des études par la CNED. Vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, sur des projets que vous avez gelés au niveau de la CNED? Non, on n'a pas gelé. Nous avons dit que... Renvoyer l'étude. Voilà, nous disons que, par exemple, l'étude de maturation n'est pas... Directement gelée. Oui. L'étude de maturation n'est pas complète, et donc le projet ne peut être lancé sur cette base-là. Et puis, vous avez... Des exemples, monsieur Guérin, être plus clair pour les auditeurs? Bon, des exemples, donc, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que... ça ne veut pas dire que les projets sont gelés, abandonnés. C'est-à-dire on revient vers le secteur pour qu'il améliore un petit peu les études, qu'il réponde un petit peu à toutes les réserves qui ont été formulées. Il nous arrive par exemple que les études de rentabilité, les résultats auxquels aboutit l'étude, font que le projet, sa rentabilité n'est pas avérée. Et donc et nous disons, attendez, un projet dont la rentabilité n'est pas avérée ne peut pas être... lancé en réalisation. Donc, le dossier revient dans le secteur pour regarder un petit peu les hypothèses qui ont été utilisées pour l'étude de rentabilité. Et quand vous formulez des réserves, est-ce que vous avez l'expertise nécessaire pour le faire? Oui, absolument. Nous avons des équipes pérennes au niveau de la CNED qui travaillent, donc c'est des experts, dans c'est des cadres algériens. Oui, nous avons des équipes pérennes. Nous faisons appel à des consultants. Donc, quand l'expertise n'est pas présente au niveau de la CNED, nous faisons appel à... Nous avons un réseau d'experts algériens avec qui nous travaillons et croyez-moi que les choses se passent très bien avec les secteurs. Donc, Alors, des questions des auditeurs qui sont un peu importantes ce matin. Ils vous demandent aujourd'hui, est-ce que, par exemple, vous donnez votre avis sur tous les projets automatiquement? Et si c'est le cas, est-ce que vous considérez par rapport à l'échec de la réalisation de certains projets qui ont suscité peut-être des surcoûts, provoqué des surcoûts ou des malfaçons, vous avez une part de responsabilité? Certainement. Donc, si un projet a échoué, la responsabilité est partagée par tous, y compris par la CNED. Mais je ne vois pas de projets qui ont échoué. Les projets ont connu des surcoûts, des retards dans la réalisation, des surcoûts, Les surcoûts ne sont pas nécessairement dus aux études.
il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est dû peut-être à une insuffisance des études lorsque vous avez des travaux supplémentaires. Mais parfois, vous avez carrément des travaux complémentaires qui ne sont pas prévus dans le cadre du contrat. Mais est-ce qu'on doit compter ces sous aujourd'hui en cette situation? Même absolument. En situation d'embellie, on devait absolument, le faire. Absolument, absolument. Parce que l'un... Certains considèrent qu'on a beaucoup gaspillé, alors qu'on pouvait calculer au centime près la dépense. Écoutez, madame, la CNED a été créée avec objet, pour objet, l'amélioration de l'efficience de la dépense publique. Donc, à la veille du lancement des importants programmes d'investissement dont j'ai cité une partie, donc qui ont nécessité la mise en place de financements importants de la part de l'État, il était important pour les pouvoirs publics d'accompagner cet effort d'investissement par un certain nombre de réformes, etc., d'ordre institutionnel, réglementaire et juridique, donc législatif plutôt. Donc parmi les dispositifs, les dispositions institutionnelles, c'est la création de la CNED. Bon, ça fait pratiquement depuis 2010 que les guides ont été donc, lancés officiellement par le ministre des Finances. Les secteurs s'y conforment scrupuleusement donc, aux prescriptions de ces guides. Et nous avons, en 2014, donc organisé un séminaire pour évaluer, disons, la pertinence des dispositions contenues dans le guide et son application. Mais vous avez un rôle essentiel, mais vous n'êtes pas suffisamment visible, c'est parce que vous travaillez avec les institutions. Absolument, essentiellement. Absolument, tout à fait, nous travaillons avec les institutions, nous n'avons pas de contact avec le public, donc c'est pour ça que le rôle de la CNED n'est pas très visible. Alors, projet de loi régissant le partenariat public-privé, dites-vous, entre points d'interrogation, c'est comme si chaque secteur avait sa nationalité. Je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres où les mentalités des années 70 existent toujours dans les mentalités des dirigeants. C'est-à-dire, je crois que cet auditeur fait la confusion entre investissement et partenariat public-privé. Là aussi, il faut un peu distinguer les deux. Investissement économique, hein, bon, par rapport, et le partenariat. Ce matin, nous parlons des partenariats publics-privés dans le domaine des services publics. Donc tout ce qui relève de la sphère économique commerciale, rien n'empêche que les entités publiques se mettent en partenariat et je crois que c'est encouragé. Par exemple, pour le transport aérien et maritime, l'ouverture du fret, c'est-à-dire le transport de marchandises au privé. Ça, c'est un investissement économique. Tout à fait. C'est pas un partenariat public-privé. Non, le sens du partenariat public-privé dont nous parlons aujourd'hui, ça concerne la fourniture de services publics. Le service public, comme vous l'avez signalé au début de votre émission, relève de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit faire le service public et veiller à son fonctionnement. Donc l'État peut déléguer une partie à un partenaire privé. Mais la réalisation d'infrastructures relève de l'État parce qu'il y a cette question de l'auditeur qui vous dit comment voulez-vous financer les projets en partenariat public-privé si leurs coûts de réalisation ne sont pas maîtrisés et ne sont pas évalués. Ah, là c'est justement... C'est un des avantages que peut justement procurer le recours au partenariat public-privé, parce qu'il y a une incitation. Donc le partenaire public, le privé, c'est lui qui va concevoir, financer et réaliser sous sa responsabilité. S'il y a des dépassements de coûts, c'est lui qui les supporte. Donc et pour ce faire, il doit optimiser, donc, il doit trouver les solutions idoines pour que son investissement se réalise conformément aux objectifs fixés en termes de budget et de délai. Et vous savez, Madame Souila, il y a des études qui ont été menées par la Banque mondiale dans un certain nombre de pays qui ont eu à développer des partenariats publics-privés dans ce domaine-là. Et le résultat est que tous les projets, pratiquement tous les projets menés dans le cadre du partenariat public-privé finissent avec les coûts, sont réalisés avec, dans le respect des coûts prévus et avec les délais arrêté et à la qualité requise. Alors, une question d'un auditeur très rapidement, M. Green. Oui, le PPP, c'est pas de la privatisation? Non, du tout. C'est pas de la privatisation parce que l'État garde toujours le contrôle. Alors, comment peut-on aujourd'hui aller vers un partenariat public-privé dans le service public quand celui-ci est miné par la bureaucratie et les lenteurs administratives? Autre aspect que vous soulève cet auditeur. Et justement. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord le mettre à niveau? Justement. Donc le privé, donc quand il réalise donc son investissement dans le service public, il est payé en fonction d'un niveau de performance qui est fixé au préalable par la personne publique dans le cadre du contrat.
Si le niveau de performance, en termes justement de qualité de service public, en termes n'est pas atteint, le paiement ne s'effectuera pas. Est-ce qu'il nous fallait cette crise pour prendre conscience de la nécessité aujourd'hui d'associer le privé, parce qu'on a toujours fonctionné avec une mentalité socialisante? Non, Monsieur Guénin, moi je l'ai dit, donc la volonté des pouvoirs publics par rapport à l'implication du privé dans l'effort d'investissement national a été de tout temps et a été mise en avant. J'ai évoqué le schéma national d'aménagement territorial, le plan d'action du gouvernement en 2014, donc c'est pas uniquement la crise. Mais bon, maintenant, comme on dit, quelque chose malheur est bon. Peut-être là, il faudrait aller pour... On en parle depuis surtout 2014. Et ce n'est pas encore effectif, la loi. Monsieur Ahmad Guénin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et prends un rétablissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Madame.